Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois dans l'épisode 5 du Farm, un combat contre le Joker en phase démoniaque. Nous avons pour récupérer la sœur de Nina, si je me trompe pas. La révélation maintenant. Voilà, sœur de Nina. Nous l'avons ramenée avant-hier, nous sommes actuellement, sauf que... et nous avons qui avec nous, vu que vous aurez reconnu. Sauf que, eh bien, il semblerait que elle ne soit pas reconnue et sortie comme une princesse. Et nous avons eu comme conseil de poursuivre notre voyage par les falaises du sud. Sachant que le sud, actuellement, c'est de la mer, on va partir à l'ouest. Et ce personnage, juste là, où je suis, le singe là, eh bien, c'est par un concours de circonstances qu'il est avec nous. Et n'oublions pas que... la magnifique localisation française fait que j'ai 4 niveaux de moins par rapport à notre homologue PAL. On va s'amuser. Donc dans cet épisode on va quand même essayer d'avancer dans le jeu le plus loin possible. Mais il se peut que il y ait encore du farm. Même si à ce stade les montées de niveau se feront plus lentement. Nous devons de... dans le Cape Bell. Voilà, sachant qu'au sud y a rien, nous devons aller à l'ouest. L'ouest. L'ouest et ses ennemis. Comme vous le voyez. Alors, les combats pour le moment, je ne vais pas les passer. Voilà, alors K initiative à fond. Et en plus, je vais acheter, je crois, une meilleure armure. Liu a pas de meilleure armure, mais il se fait défoncer sa mère. Acheter une meilleure armure pour Liu. Sten, lui, a meilleur couteau, sûr et certain. Et Nina a un peu plus d'attaque magique. Et quand je dis un peu plus, c'est quasiment rien. Ouais, alors non. J'aimerais me soigner. Donc voilà, je ne sais pas où tout ce jeu va nous amener. Et j'avoue que j'ai un peu peur de savoir. La question sans savoir quand est-ce que un de mes personnages va mourir. Saleté. J'ai un personnage poisonné. Alors, flamme, ça fait... que dalle. Et en plus, il y en a un qui résiste. Je vous ai dit que j'adorais ma vie. Lame de vent, et puis Sten continue les attaques. À 256 points, quand même, ça va. Eh bien, évidemment, seul Beau avait un sort pour... enlever tout le poison. Et maintenant, j'ai besoin d'antidote. J'aime ma vie. Donc vous le voyez actuellement, le level up, ça fera pas avant un long moment. Nina, quand même, va se soigner avec une petite herbe. Mon but, là, étant d'aller au moins jusqu'à la prochaine ville, et après, j'avise. Est-ce que je vais à droite? J'aurais pas dû aller à droite. J'aurais... tellement pas dû aller à droite, mais j'ai l'initiative. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre tout le monde en attaque. Toi, ah, il me faut 20 PV, 20 PM, pardon. Toxipède, 4 va tuer quelqu'un. Nina, un sort d'éclair, et puis Sten, le Toxipède. J'essaye d'élaborer quelques stratégies, mais il manque 2 PV. Je hais ma vie. Je déteste ma vie en fait là actuellement. Bon. Un de moins. Kat va. Ouais, profiter davantage. Attendez. Tac. Tac. Je vais tenter. Flamme ne fait rien. Un froid sur lui. Et Sten. Sten il a pas de. Il a. Pas de sort. Si, il a un sort de feu.
mais pas utile pour le moment. Ah mais je prends 0 avec ce monstre, mais beaucoup plus avec le reste. Incompréhension, incompréhension. Heureusement que j'ai un max d'herbe. Alors à droite, oui, il n'y avait rien. Donc on continue. Je ne peux hélas pas chasser. Oh bah il n'y a rien, on va remonter. Oh, qu'est-ce que c'est? Petite maison. Petite maison dans la prairie. Petite maison dans la plaine, génial. Ma vie est géniale. Heureusement que Kat a l'initiative. C'est le seul truc que je retiens. Alors, petite maison. Je veux bien la petite maison. S'il y a une save ou un truc ou un quelque chose. Et sais-tu ce qu'est un chasseur de monstres? Ils attrapent tout et leur rendent. Tu dois faire attention. Ok. Un Oopaloopa 10 000 balles. Oopaloopa le tatata. Oui, bonjour madame. Je suis une chasseuse des monstres. Ok, bro. Les fruits à rue ont mauvais goût, mais les Oopaloopa les aiment. Tout le monde a des goûts différents. Eh oui, j'entends dire qu'une magnifique fille apparaît quand les fruits à rue commencent à être en fleurs. Donc j'attends. Hein? Qu'est-ce que je vais faire d'elle? La vendre, bien sûr. Ah, le communisme. Ah, un petit objet. Un soin de bois. Savez-vous ce qu'est Oopaloopa? Non. C'est un animal qui vit dans les cavernes des rocs de l'océan. Ok. On pouvait le vendre pour beaucoup d'argent au carnaval. Je m'en fous du carnaval. Alors, l'objet, un soin, blablabla. 100 PV. 100 PV. Bon, là, il n'y a rien. Si ce n'est de l'eau. Et derrière. Je passe derrière. Et là, c'est une forêt. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller en forêt, les petits enfants? Je ne sais pas, mais j'ai pas envie de le savoir. Et il y a... Il y a de l'eau. Je peux boire l'eau. La musique me fait sous-entendre que... Peut-être que tu devrais te barrer, bro. Est-ce la fleur à rue? Est-ce la fleur à rue? Oui, donc c'est les fleurs, donc c'est leur jardin. Auquel je m'en vais. Bon. Je suppose que lorsque je pourrais aller sur l'eau, me balader, je devrais prendre le haru, le forêt, et taper le Oopaloopa, le monstre là qu'ils ont dit. Bon, mais je ne peux pas sauvegarder ni même me reposer. Dommage. Et ben, continuons à l'ouest. Un petit peu plus à l'ouest, dans de nouvelles contrées, avec deux connards. Bon, clairement, ça fait combien de mana pour full 6. Ouais, ça va. Oh, petit critique, parfait. Non, putain, alors. 1. 2 poisons. Génial, parfait, tout va bien. Je vous cache pas qu'il y en a un qui va crever. Je ne vous dis pas qui. Parce qu'il n'y a plus de suspense après. Mais très clairement, Stan, il n'est pas utile. Stan même, il est ce qu'on appelle une perte acceptable. Oui, alors les petits même, hein, un autre jour. Puis Stan, hein, tu souffres en silence. Voilà, j'espère que vous appréciez ce petit ASMR bruitage. Magnifique. Un délice aux oreilles. Bon, un lézard. Ça va.
Et c'est une flèche pour ma gueule qui me met 0 dégâts. Vous avez vu la différence selon les monstres entre les dégâts que je reçois? C'est... Il y a un problème. L'équilibrage est pas ouf. Ah bah parfait. Allez, on s'arrête. On trouve une petite... un shop. Ah là, par contre... le poison, il a décidé stop. On est dans une ville... ne bougeons plus. Alors. Parfait. Eh bien, écoutez. Je pense que ça m'a l'air pas mal, ce petit endroit. Pour cette fameuse... Un max. Et de l'herbe, parce que j'en ai jamais assez. Non, parfait. Qu'est-ce que... Vitamine annule, carré du zombie. Bon, la fumée, je prendrai jamais. Je l'utiliserai jamais. Là, je pense qu'on va être parti pour une petite séance de farm. Si je trouve... 40 unités. Ah, c'est cher. Si je trouve un endroit pour sauvegarder. Ce qui serait une excellente chose. Et oui, c'est comme ça. Alors, on va explorer un petit peu cette ville de Capitaine. Enfin, Capitaine. Oh. Parfait, sauvegarde. Eh bah oui. Ah bah oui. Alors, ouais. Je vais explorer les maisons quand même, hein. Magnifique maison, très belle. Ah, mon bébé est tombé dans le puits. Mais espèce de... Mais... Tu n'es qu'une merdigne. Oh, un crabble. Je ne sais pas ce que c'est, un crabble. Oui, alors par contre. Un crabble. Ah, au secours. Ah, merci. Augmente le courage. Oh. Alors, le moment stat. Courage. Un cran de deux flammes. Je sais pas ce que c'est. Le courage. Le courage. Enfin. Mais qu'est-ce que c'est que ces stats? D'accord. Il y a des couleurs différentes en forme. Bien. Ok. Pas de cran. Courage, je vais me mettre, je pense, me mettre le courage sur moi-même. Voilà. Alors, je vais mettre mes stats maintenant. Et je verrai ce qui a changé. Voilà, donc, moi du futur, si jamais tu vois ce qui a changé, marque-le. S'il te plaît. Donc, j'ai obtenu un cran bleu. Ah ouais, je prononce comme... Ah oui, c'est vrai, on est en train de monter. Il y a trois sortes de maisons dans le village, n'est-ce pas? Chaque sorte fait construire par un charpentier différent. Et la mienne, c'est la meilleure. Regardez, j'ai les armes. Ok, bro. Ok, bro. Et là, c'est... Oh, c'est une maison. Très, très belle maison. Où il y a... Personne. Eh bien, écoutez, madame, bonjour. Tout d'abord, le puits s'est asséché, et donc nous n'avions plus d'eau. Ensuite, l'enfant est tombé dans le puits. Et pour finir, tous les villageois partir rechercher l'enfant ne sont pas revenus. Ok, c'est une quête pour Ryu et ses amis. Je tombe dans le puits. Ouais. Ah. Oh mon dieu, quelle puissance. Rai, excuse-moi, tu es blessé? À la fin, il serait dans ce puits tari. Tout le village est en train de le rechercher. Mais nous n'avions pas idée qu'un monstre rôdait. Et là, je me fais défoncer ma ligue par un coup d'hib. Alors, Ryu attaque, Kat attaque, Nina va nous faire... allez, jouons la strat, baissons l'agilité. Sachant qu'il attaque en... Ok, deuxième, troisième peut-être? Quatrième? Donc... Ah, quatrième! Donc, jouons strat. Du tout quoi? Mais... non?
Mais je ne suis pas d'accord. Remarquez, dans l'animation, il y a un truc très drôle. Il y a le... Alors, c'est la semelle. Je crois que c'est la semelle qui s'est défaite. Et c'est... petite animation très cool, hein. Ensuite, en sort, on va partir sur le classique flamme. Là, techniquement, le monstre joue en dernier. Donc, en termes de strat, je devrais être bien. Bon, Ryu, ses attaques ne font rien. Le coup de flamme, ça fait pas grand chose. Et pourtant, deux coups pour Malgue. Je continue de prendre cher. 4 attaques. Nina sort. Partons sur un éclair. Non, pas un éclair. Un froid, tiens. Et Sten va me soigner. Herbe sur moi-même. J'aimerais éviter de crever. J'aimerais éviter de vous mettre un coup de... Ah bah d'accord. Bon. Un monstre résistance, cela dit. Hein. Donc, je pense qu'on va devoir farmer. Sinon, intervenons pas rapidement. Tout le monde sera en danger. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai pas le choix. Oui. Merci pour votre aide. Suivez-moi. Non, 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 non. Attends. Non, attends, attends, attends. Je veux pas. Mais je... Laissez-le moi. Continuez, vous autres. Non, non, non. Bon, bah... Bon. Alors, j'ai pas fait exprès. Heureusement, j'ai un maximum d'herbe. Si je me fais agresser, je crie. Et il ne se sera rien passé. Ah, c'est suspect, ça. Ah non, c'est un caillou. Ah bah non, c'est un... C'est un villageois. Et un coffre, il y a un coffre. Oh, regardez où se trouve mon fils. Sauvez-le, je t'en prie. Oui, mais d'abord, il y a un coffre. Non, je veux le... Bon, bah, il y a un monstre. Bah, go monstre, go fight, hein. Salut. Donc, on est sur, ouais, un parcours, Godive. Alors, j'avais dit qu'il fallait essayer le froid. Sait-on jamais, le froid peut peut-être être une solution. Bon, Sten sert à rien. Bon, au moins il y a une esquive, c'est déjà pas mal. Le froid. Le froid, une valeur un peu plus sûre. Maintenant le vent. Sten va continuer à donner des objets. Et je me mets quand même midlife avec un tour. Donc ça va. Je trouve que ça va. Hein. Deuxième coup, ouais. Et une riposte. Bon, bah le vent ce sera le prochain tour. 240 XP. C'est plutôt pas mal. Ouais, par contre. Ah non les gars, je sens que c'est une bêtise énorme ce qui va se passer. Allez, pour 10 points de vie, ça va. Il va se passer un truc et je vais regretter. En fait, je sens le combat. Juste là. Avec le coffre. Voilà, salut copain. Je l'ai senti venir de loin. Donc, je disais, Nina, le vent. Et Sten, le feu. N'oublions pas, le feu ça brûle, l'eau ça mouille. 30, c'est peu. Ouais, quasiment milieu de vie là. Et c'est encore moi. Une riposte. Donc un coup, j'ai de la chance. Ah non, deux coups. Double riposte. Donc prochain tour, on est sur un certain qui meurt. Lame de vent. Un poil moins efficace. Un poil moins efficace. Bon bah là c'est même pas la peine. Hein. Hop là, un coup. Deux coups, fini. Ok,
Ok, donc ouais, je vois à peu près. Mais quand même. On est sur une zone qui est pas super facile à mon niveau. Petite amulette. Alors, amulette de quoi? Équipement, amulette équipée. Ah oui, non, faut que je m'enlève la canne. Déséquipée. Équipée d'une amulette. Oui, alors par contre, j'aimerais savoir, l'amulette, à quoi elle me sert? Bloque les malédictions. Ah, ça par contre. Je vais l'équiper sur Ryu. Hein, écoutez. Équiper l'amulette. Ryu, main personnage du jeu. Oui, alors j'attends quoi là? Ah, je. Oh, ça y est, j'ai compris. Voilà, je le vois que maintenant. Donc je suis un peu stupide. C'est bon, j'ai trouvé. Donc là, faut que j'aille à gauche à partir de 3, 2, 1. Maintenant, maintenant, maintenant. À gauche, à droite. Je confonds ma gauche et ma droite. M'excuser. Et on a retrouvé Philippe. J'étais en train de jouer avec une tortue lorsque je me suis perdu. Et quand. Et. Oui. Ah oh, oui! Un boss! Oui! Un boss! Je suis pas prêt pour le boss! Je suis tellement pas prêt pour ce. Ah, c'est la. Non. Ah là là, c'est. Ah, c'est un non. Ah, bah au moins un critique. Voilà. Le seul truc qui sera utile que vous verrez dans ce combat, je vais crever. Je le vois à des mini. Je vais crever. Oh, je vais crever. Je l'ai vu de tellement loin. Oh, je l'ai vu tellement loin, je vais tellement mourir. Oh là 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 là, c'est la merde. C'est la grosse merde. Kat, tu vas me faire un soin sur elle. Qui va faire un sort. Pisten, tu vas te. Tu vas soigner Kat. Je le vois tellement que ça va être la merde pour ce qu'on va. Ah, j'ai mal. Ouais, deuxième critique. Je prie pour qu'avec les critiques ce soit moins dur. 32, c'est nul. Kat est contrôlé. Ah. Oh, je le vois tellement fort. Je vois tellement fort qu'il va m'arriver une couille. Sort le froid, on avait dit que ça marchait pas. Le feu, ça marchera pas. Le vent. Et puis une herbe sur Rio. Allez, troisième critique. J'ai de la chance avec les critiques dans ma partie, je me plains pas. Si je me prends un souffle de feu, par contre, je meurs. Stan, il est mort. Bon bah on dit au revoir à Sten, hein. À moins d'un miracle, mais j'y crois absolument pas. Voilà, Sten est mort. Oh là 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 là. Bon bah là j'accepte la défaite, hein, je vous le dis. Allez, clair. J'étais tellement pas préparé pour ce combat aussi. Je m'auto-blesse en plus. Oh, elle a zéro sort qui marche. C'est un désastre. Oh, c'est moche ce qui se passe. C'est très très laid. C'est presque honteux. Voilà, allez, fini, mort. C'est un nouveau game over. Bon, et ben, comme vous le voyez, on va être parti. On va être parti, on va être parti. Ouais. Pour. Ouais, j'ai un peu perdu d'or. Et ben, nous sommes partis pour un petit peu pexer. Hein, c'est pas mal ça de pexer.
Et donc, on se dit dans quelques secondes pour vous, et moi je vais passer un bon quart d'heure, au moins, dans toute cette zone. Bon, j'ai passé un petit quart d'heure, oui, pour faire quelques level up. Donc là, le niveau minimum c'est niveau 12. Enfin, niveau 10 pour Nina qui a un peu de mal. Sinon, Sten a pris quelques niveaux, un nouveau sort. Nina a pris un nouveau sort et Kat et Ryu aussi ont juste pris des niveaux. Donc là, soit je refais directement le boss, auquel cas ça va être rapide, soit je dois me retaper tous les autres combats et je les passerai. Dans les deux cas, on verra bien ce qu'il se passe. Juste vérifier un petit truc. Non, c'est bon. Ok. Alors. Ah bah non, ok. Bon, je vous passe tout ça. Et puis, on se retrouve pour le boss fight. Bon, je vais directement jusqu'au boss, hein, les autres monstres sont partis. Je voulais tester un truc, de savoir ce qui se passe si je réponds non, non, non à chaque fois. Bon, je me suis raté, mais on voit en fait que plus je leur dis non, plus cette espèce de jauge descend. Extrvm. Qu'est-ce que c'est que ça, extrvm? Bon, en plus, je découvre des objets. Restore 120 PV pour tout le monde. Ah, ça. Merci. C'est un objet qui me sera fort utile sur les gros combats. Les gros boss fights. Donc, allez, on y va. Bon, tant que je parle pas, il se passe rien. Je vais quand même reprendre une herbe. Pour les deux points de vie. Oui. Complètement pour deux points de vie. J'étais en train de jouer avec une tortue. Allez, boss fight. Alors, boss fight. Donc, premièrement, on attaque tous. Nina va faire attaque moins. Ce qui me semble le plus... Le plus approprié pour... Oh, petit 44 quand même. Ah, premier critique. Ah, 120. Ah, comme quoi... Ah, ok, j'aime pas ça. Surtout que ça passe avant... Mais évidemment, elle est le vol. Ça passe avant que de faire attaque moins. Donc là, attaque moins, ça passe. Là déjà je dois avoir un petit peu plus de chance. Nina et puis Stein vont faire office de donneur de soins. Ah mince, je me suis... Attendez. Objet. Ouais. Moi en dernier, vu que j'ai pas mal de points de vie. Et Stein 4 en prio. Ouais. 4 en prix. 4 en priorité. Et si jamais... Ah bah ça, bah voilà. Et bah voilà, l'attaque que je redoutais. Je prends moins avec Sten, je remarque. Ce qui est une très bonne nouvelle. Toi tu attaques et puis... Ouais non, tout le monde va se soigner, je pense. Ouais, tout le monde va se soigner. Parce que sinon, c'est là... Grosse ambiance. J'aurais évité que tout le monde décède. Surtout Sten en fait, vu qu'il peut quand même mettre pas mal de dégâts. Critique à 115. Et voilà, souffle de feu, je l'ai vu de loin. Je l'ai vu de très très loin le souffle de feu. Oh là, je le vois très très loin. Bon, je... Ouais, elle va survivre. Elle va survivre. Donc du coup là, de l'herbe pour moi. L'arbre pour elle. Nina va tenter agilité moins.
de manière à ce que je puisse attaquer, enfin que tout le monde puisse attaquer et lui en dernier. Ok, moi c'est bon, et puis parfait. Charmé, c'est Ryo qui est charmé et qui va mettre un dégât sur 4, ça va. Le dégât est pas trop important. Du coup, aïe, ah, échec, putain. Échec, merde. Bon, tant pis. Je retente. Et Sten, un coup d'herbe sur 4. Je pense qu'il va me refaire un souffle. Donc quand même essayer de lui mettre des dégâts. Troisième critique. Ah, un charme sur Ryo qui va attaquer. Qui va s'auto-attaquer en critique. Un génie ce Ryo. Bon, tant pis pour l'agilité. Stan en sort de bombe. Que je vois l'effet que ça a. Ouais, petit 50, ouais. Quatrième critique, 115. Voilà, pareil ou. Et merde. Bon, Ryu ne prendra pas l'XP. Chier! Ryu ne prendra pas du tout d'expérience. Mais c'est un charme sur Sten. Bon, Sten doit être celui qui a le moins d'attaque. Ouais, ça va. T'as 35, c'est peu. Un petit froid. Et Sten, Sten qui n'a plus rien. Donc bah du coup, attaque. Là, il abuse du charme, Sten. Un critique sur Nina, yes. Ah, oh, j'adore ça. 30, ah, c'est peu. Bon, dans le doute, flamme. Est-ce que je vais réussir à faire le boss sans Ryu? C'est la question que je me pose actuellement. Ah, encore le charme sur Sten. Trois fois sur Sten. Sten, quand il met pas de critique, ça va. 42. Ouais, bah je pourrais pas faire plus. Il résiste ce boss là quand même. Non, pas piège de glace, flamme. Ouais, je mets autour de 100 dégâts. Et je savais, je les voyais, je l'attendais. Je l'attendais tellement ce sort. Ah, oh, c'est toujours pas fini, t'es sérieux. Objet, soin. Bah soin sur tout le monde là, obligé. Ça va. Normalement Nina a esquivé une première fois, elle devrait esquiver une deuxième fois. Mais tu voles, connasse. Oh la vache. Bon, attaque et puis un soin sur 4. Oh, que c'est long ce combat, j'en ai marre. Bah ouais, bien sûr. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, monsieur. T'as deux, il me reste deux personnages, ça va être très très long. Oh là là. Non, oh, bah oui.
Bon, Nina, elle peut... Ouais, c'est bon. Ils peuvent encore résister un tour de tremblement. Sauf si j'ai un souffle. Oui! Incroyable. Incroyable, boss battu, demeure seulement. Super. Ah, merde, faut que je me barre. Oui, c'est bon, j'ai compris, je me barre. Allez, c'est même pas la peine que j'aille sauver les autres, je me casse. Alors là, tout mec, t'oublies les autres personnages. Oh, putain, deux morts. Deux morts. Et ils sont pas d'XP en plus. Oh, ils ont, bon, Rion encore, ils chopent pas l'XP, ça va, mais Nina, c'était celle qu'on avait le plus besoin. Ah bon, bah, Jean-Michel, il s'est barré. Ah mais ça va bientôt faire une heure pour moi. Du coup c'est parfait. Oui Jean-Michel. Ah cette vibration. Oh j'ai que le barrage va être submergé. Oui, en effet. Oh. Oh. Vite, courons, c'est un time attack. Je pense que nous l'avons à quelque peu stoppé. Mais cela ne va pas durer longtemps. Vite, sauvez les joueurs qui sont dans la caverne. Non. Ah mais hors de question, je remonte. Moi je remonte. Ah moi je te le dis, je remonte, hein. Je me soigne et... Enfin, je vais dormir. Voilà. On a sauvé un villageois. Ah mais je me repose et puis j'arrête là. C'est hors de question que je continue. Oh ce combat de boss de l'enfer. Ah ce combat de boss de l'enfer. Il est toujours là-bas Jean-Mi. Je me demande ce qui se passe si jamais... Ouais. Jean-Mi est là-bas, ça a pas l'air de bouger. Ça va Jean-Mi, t'en sors? Les villageois sont sauvés. Non. Oh, j'ai envie de tester un truc. J'ai envie de tester un truc parce que j'ai envie d'être un connard. Donc du coup, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder, je vais dire les villageois sont sauvés. Et on va voir ce qui se passe. Parce que tout à l'heure, j'étais pas loin de dire « Ouais, non, j'ai pas envie de sauver tes potes. » Ouais. Sauvegarde, oui. Allez, on y va. Juste envie de voir ce qui se passe. Vraiment. Les joueurs sont sauvés? Oui. L'aile. Merci, mon dieu, c'était limite. Ah, je vais retirer le bouclier. Cours vite! Cours! Bah, je me démerde. C'était juste. Voilà, déjà, il est pas content. Nous avons réussi à verser le courant et à détruire le démon, mais beaucoup de vies ont été perdues. Mince alors! Si vous n'avez pas été là pour m'aider, je n'aurais pas été capable de sauver les enfants. Ah oui, d'accord. Donc, si seulement j'avais plus de force... Et donc du coup, en fait, je suis en train de me poser la question, tant que je vous tiens. Je pense que, en fonction de mes actions, ça va influer sur la fin. Je pense vraiment que ça va influer sur la fin du jeu. Et si c'est le cas, c'est une très bonne idée. Ça fait un petit peu écho à la double fin du premier opus. Bon, on regarde quand même. Hop, Saint Eva, emmenez-moi là où tous les membres se réunissent, la bénédiction de Saint Eva, et je le transporte en fait dans mon slip, c'est ça? C'est complètement ça, je le transporte dans mon slip. Bon du coup, de toute façon ceci ne arrivera jamais parce que j'ai besoin d'XP. Du coup, c'était une des mauvaises fins, enfin un des mauvais choix que je ne ferai pas. D'ailleurs, j'ai fait de la merde. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous ait plu. Breath of Fire, vous allez en voir assez souvent à la fin
d'Apollo Justice parce que c'est ce que je vais tourner le plus pour avancer un maximum. On est très loin de la fin, je vous le dis. Si vous voulez suivre cette aventure et si vous aimez le contenu de la chaîne, que je vous invite à aller regarder maintenant ou juste après, abonnez-vous, s'il vous plaît, pouce bleu, commentaire si vous avez des strats pour que je pexe un peu plus, hein, même avec des cheat codes, hein, de manière à ce que je me mette au moins niveau 15, c'est là à peu près où le jeu pâle est. Je suis sur Twitter, je suis sur Insta, tout ça. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.